Bonsoir. 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 Voilà. Bonsoir. Est-ce qu'on peut liker et partager et massivement et envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Parce que je veux lancer le live aussi sur YouTube, mais j'attends qu'on soit assez nombreux ici. Et je suis quand même choquée parce que j'ai cross-posté sur plusieurs pages. J'ai même réquisitionné les pages fans. Deux pages fans qui m'ont rajouté admin, du coup, pour que je puisse... cross-poster sur leur page parce que les pages sont hyper restreintes. Donc je me rends compte que malgré tout ça change pas grand chose. Donc j'émets depuis Oshigalarin Scarabi. Merci pour les cœurs. On like, on partage, on met les cœurs. Vous avez vu le titre, non? Attendez. Ouais, tous mes titres sont là, mais par contre, il n'y a qu'un seul partage, donc c'est normal que ça n'évolue pas. Donc j'attends que vous partagiez un peu. C'est tout à fait normal que ça n'évolue pas, parce qu'il n'y a qu'un seul partage, ça ne peut pas aller loin. Donc venez sur Oshigalarin Scarabée, la page Oshigalarin Scarabée, vous likez, vous partagez. Et vous mettez beaucoup de cœur pour qu'on puisse faire monter. Pour qu'on puisse faire monter le live et préserver la page. Savoir qu'il y a la guerre des. Comment on appelle ça? Les signalements, c'est fort en ce moment. Il y a il y a un clan qui signale les pages des autres. Ah, ça, c'est grave, hein? 4 minutes de live, 13 personnes. Ah, ça, c'est chaud.
Ah, c'est chaud. Bonjour Mireille. Là, c'est chaud. Donc, je vais attendre que vous partagiez avant de lancer sur YouTube. Moi, j'ai mal. Beaucoup le sport que j'ai fait hier, là, je sens ça sur mes côtes, là, maintenant. Je suis obligée de rappeler toujours à ceux qui arrivent nouvellement qu'il faut liker, partager et envoyer les cœurs. Que le live puisse monter un minimum. Là, je ne vois pas mes scarabées connectés. Ça veut dire qu'ils ne reçoivent vraiment pas les notifications. Ça va rendre les lives, c'est trop long pour rien. Punaise, ça m'énerve là. Ça m'énerve. Papa, je suis en train de me perdre le temps. Moi, je veux finir avant 18h. Je vais bien, merci, mais je constate que tu n'as pas partagé. Est-ce que vous pouvez partager les autres, s'il vous plaît? Voilà, ça là, ça peut parler quelque part. Moi je vais couper forcément sur YouTube, ben, ça m'énerve. Je vois qu'il y a Angèle, Eden, Mireille, moi-même, Christophe, Liam, William qui ont liké. Ce sont les seuls qui ont liké le live. Les autres nous regardent. Regardons-nous alors dans les yeux. Merci à vous qui avez liké et partagé. Et mon ordi, donc je suis encore plus efficace. Les têtes de mort seront coupées très rapidement. Et ici, je vois qui a liké. Direct. Voilà, Mario, Jacqueline. Ça commence à venir. On like, on partage, s'il vous plaît. Je pense que je vais commencer à faire mes lives avec l'ordinateur parce que ça vous met bien la pression. Maintenant que vous savez qu'on vous voit. On est déjà à 8 minutes. On n'a même pas atteint 50 personnes connectées. C'est chaud, hein? C'est chaud. J'ai pas encore lancé sur YouTube. Une fois que j'aurai lancé sur YouTube, là, ce sera lancé. Là-bas, je veux pas que ce soit trop long non plus. Donc, c'est pour ça que j'attendais que ça monte un peu ici avant de lancer sur YouTube. Vous avez vu le titre. Retrouvez-moi sur Oshigalaren Scarabée. Le sujet, c'est la sortie, c'est le poteau de Valsero. Okay. Le sujet, c'est le poteau de Valsero et les explications bidons qu'il ne fait que multiplier. En fait, il ne fait que s'enfoncer. Souvent, le silence, c'est mieux. Donc, il y a lui et il y a son acolyte, Jean-Paul de Suisse, la fille garçon de Suisse, qui tarde à sortir parce qu'elle ne sait pas par quel bout elle va prendre la chose pour essayer de manipuler
d'opinion comme son pote d'ailleurs. Parce que c'est elle qui critique tout ce que les autres artistes font. Les artistes qui se battent, qui se débrouillent. Et tout ce que les artistes qui ont déjà un nom font, ça, on en sens, on va les racoler, on va gratter un peu de leur lumière. C'est ça son travail. Donc, moi, j'attends depuis là qu'elle sorte nous faire une masterclass sur l'échec de son poulain, qui n'est pas premier échec d'ailleurs, c'est pas son premier échec. Hein, depuis ici, là, c'est le deuxième jour après qu'il avait déjà eu une première tournée. Après le Zénith, après la première date, ils ont annulé la tournée. Et là, c'est une autre tournée qu'il a retentée. Et vu comment c'est parti. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut partager, liker, partager et envoyer les cœurs pour le live? Est-ce que c'est possible? Que lui en est restreint, mais si vous faites le taf, ce sera moins. Aïe, c'est grave, hein? Seigneur. Merci pour le partage, Diana. C'est grave. 22 partages et on n'arrive pas à 30 personnes. Je sais pas ce qui se passe sur nos pages, mais c'est très, très, très fort. C'est très fort. Hier, je faisais le sport, j'avais quand même 100 personnes, gars. En faisant juste le sport. Donc là, avoir un aussi petit chiffre, en plus avec un sujet pareil, c'est juste pas possible, quoi. Il y a un véritable souci. Je me demande si je vais pas relancer le live, parce que je suis quand même choquée de ce que je vois là. Merci. Je vous rappelle qu'on a un mini concert aussi, c'est dans la description. On a un mini concert sur Facebook, YouTube et TikTok ce samedi 22 juin à partir de 21h. C'est en l'honneur de mon anniversaire qui est le 23 juin. Donc on donnera le concert à partir de 21h. Et à 23h, on va couper le gâteau. On va souffler mes bougies, voilà. Programme simple. Je commence alors le live parce que là, ça va être trop long pour rien. Voilà, je vais vous faire écouter une vidéo. On va commencer par là. Alors, je suis en live également sur YouTube, là, actuellement. Donc, bonjour à vous sur YouTube. Bienvenue sur mon live. Bienvenue sur mon live à YouTube pour ceux qui passeront par là. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Jetez un coup d'œil dans la description. Il y a des liens qui pourraient vous intéresser pour vous abonner à mes autres plateformes, notamment à ma deuxième chaîne qui est ma chaîne réservée à ma musique. C'est la musique que vous écoutez actuellement. Voilà, merci Mireille. Dis-leur ça. Je vais épingler ton commentaire. Donc, on va commencer. Je vais d'abord vous faire écouter. Je vais vous faire écouter une vidéo parce que c'est ce qu'on va décrypter. Donc,
Balcero a lancé sa deuxième tournée depuis qu'il est en Europe. La première avait avorté parce que il avait fait une première date dans la ville de Jean-Paul le Suisse, alias fille-garçon le Suisse, alias Lolita la baronne de Suisse, d'accord, qui était chargée de la com, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, elle était dans le staff. Et elle n'a pas été capable de faire venir plus de 20 personnes, voilà, à sa première date. Je crois que c'était à Genève, je crois, je sais plus. C'était une grande salle aussi, hein. Donc, ils n'ont pas été capables d'attirer 30 personnes. Et ils ont dû annuler le reste des dates. Ça, c'était sa première tournée. Maintenant, là, pour cette année, il nous a annoncé une autre tournée. Il est allé pour sa première date à Marseille. Et c'était une salle de 700, d'une capacité de 700 places. Et d'après lui, il y a eu 175 personnes. Sauf que quand on regarde les images, je ne pense même pas qu'il y ait eu 30 personnes, encore une fois. Je pense que c'était pareil, c'était une catastrophe. Donc depuis, il multiplie les vidéos pour justifier les sorties. Là, je vais vous faire écouter une sortie, entre autres, que je trouve complètement tirée par les cheveux. Je ne comprends pas comment on peut insister autant dans la bêtise, quoi. Parfois, le silence est mieux. Dans ta première sortie, Valsero, je vais même être gentil, je l'appelle pas Valsero aujourd'hui, je vais l'appeler Valsero parce que le gars, il est déjà à terre, quoi. On dit, il passe une ambulance. OK? Vous, sur YouTube, est-ce que vous pouvez liker, s'il vous plaît? Vous cliquez sur les trois boutons en haut à droite et on vous propose de liker le live, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi partager. Donc, attends, toi, je te bloque. Tu dis que tu viens sur ma page ici là parler, que tu ne tapotes pas. Je te bloque. Allez. Voilà. Donc, j'en étais où? Ouais, voilà pourquoi ils bloquent les gens comme ça. Parce que vous me faites perdre le fil de mes idées, en fait. Donc, sa première sortie que j'ai vue. Hein, c'était un post écrit. Merci à hein, ceux qui likent sur YouTube. Wow, vous faites ça bien aujourd'hui. Hein, vous êtes rapide. Ouf, dès que vous arrivez, likez s'il vous plaît sur YouTube. Donc, sa première sortie, c'était un post écrit. Il dit que. Moi, une vidéo. Hein, je crois qu'il a fait aussi une vidéo parce qu'il aime bien blablater. Il dit que il paye le prix de son engagement. En gros, il nous fait comprendre que parce qu'il a un artiste engagé, c'est pour ça. C'est la raison pour laquelle il ne remplit pas ses salles. C'est la raison pour laquelle on ne lui propose même pas d'aller chanter dans les ngandas, dans les boîtes ou je ne sais pas quoi. On ne lui loue pas des salles. Mais je ne sais pas de quoi il parle parce que le Zénith, ce n'est pas lui qui l'avait loué. La tournée qu'il a voulu engager après, bah, ce n'est pas lui qui la produisait. Et celle-ci aussi, je doute fort que ce soit à ses propres frais. Donc. Voilà, même pas que je doute, ce n'est pas à son propre, sa nouvelle tournée, ce n'est pas à ses propres frais. Parce que si c'était ses propres frais, le gars allait faire la com. S'il avait mis son propre argent, il aurait fait la com. D'accord? Parce que quand tu mets tes dos, toi-même, tu connais comment tu as saigné. Tu ne peux pas rigoler, tu ne dors pas la nuit parce que ton cœur bat. Si ça ne donne pas, tu perds tes dos. Donc, je sais que même là, ce n'est pas lui. Donc, quand tu viens dire qu'on ne te loue pas les salles, je ne comprends pas parce que cette salle-là, ce n'est pas toi qui l'as louée. D'accord? Bon. Il nous dit que étant engagé, le prix à payer, c'est d'avoir les salles vides. Donc, il fait la victime, en gros. C'est parce que je suis engagée, c'est parce que je défends des causes, parce que je me bats pour l'unité nationale, je me bats pour tout le monde, pour le bien commun. C'est pour ça qu'on me boycotte, c'est pour ça. Bref, qu'on me boycotte, quoi. OK? Sauf que, frère, le rap, à la base, c'est une musique engagée. Voilà, le rap depuis ses débuts, c'est censé être une musique engagée, le rap. Alors, si on te boycotte parce que tu es engagé, alors que tu es un rappeur, je ne sais pas où va le monde en fait. Tikenja Fakoli est engagé. Tikenja Fakoli est engagé, mais il remplit ses salles, sans être présent sur la toile comme toi d'ailleurs. Booba est engagé, ou était, mais en tout cas, il est toujours d'ailleurs. Booba est toujours engagé, il a toujours des textes engagés, même s'il fait un peu le mainstream aujourd'hui.
Alpha Blondy était engagé, il remplissait ses salles. Et en plus, c'était des époques où c'était encore plus difficile. La répression était plus. On ressentait plus la répression sur les artistes engagés. Bob Marley remplissait ses salles. Qui d'autre? Kerry James remplit ses salles. Enfin, je ne comprends pas en fait. Longa est engagé, il remplit ses salles. Richard Bona, je continue. Enfin, je ne sais pas en fait. Donc, la sortie là, je dois retrouver ça bancal. Je me suis dit, paix, mieux tu laisses. Tu n'es pas obligé de parler, paix. Likez et partagez le live, s'il vous plaît, que vous soyez sur Facebook ou sur TikTok. Sur YouTube. Vous likez, vous sur YouTube, vous cliquez sur les trois boutons en haut à droite, vous pourrez liker, vous partager, s'il vous plaît. Vous sur Facebook, vous ressortez du live, vous likez, vous partagez, vous rentrez dans le live, vous tapotez fort parce que nous sommes terriblement restreints. Terriblement. Retrouvez-moi sur Oshiga la reine Scarabée, vous qui êtes sur Facebook. Sinon, ailleurs, je ne pourrai pas lire vos commentaires. Donc, déjà, bonjour Arela, bonjour ma puce. N'oublie pas de liker, s'il te plaît. Donc, déjà, là, c'est du n'importe quoi. C'est manipuler encore les esprits. C'est tromper les gens. Mais là, il a encore fait une sortie et pff, il s'enfonce. Donc, on va écouter ça ensemble et je vais décortiquer. Oh, laisse le nom de Toro. Le concert de Valsero a été un fiasco. Même ses frères de la basse lui ont tourné le dos. J'ai eu pitié de mon frérot quand je l'ai vu prendre le micro. Valsero, mon frérot, laisse le nom de Toro. Excellent. Le concert de Je sais Valsero pas qui c'est, mais il est a été un excellent. fiasco. Même ses frères de la basse lui ont tourné Tournez le le dos. dos. J'ai eu pitié de mon frérot lorsque je l'ai vu prendre Le micro. le micro. Valsero, mon frérot, laisse le nom de toi. Bonjour les enfants. Le vibrato de ça. Mon mur est un asile psychiatrique, un ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Les églisiens, ils disent que, au lieu de faire la promotion de mon concert, hein, Valser, au lieu de faire la promotion de ton concert, tu as passé ton temps à parler des taux. Les conséquences sont claires. Maintenant, personne n'est venu. Je vais répondre à cette question claire. C'est parce que parler des taux est plus important que ce concert. Parce que l'intérêt collectif est plus important parce que Eto'o menace l'intérêt collectif. Manipulation plus. Waouh! Comment on peut quitter de combattant pour la liberté du Cameroun à ça? Vous êtes les premiers à dire que le football ne construit pas une nation, que le football ne développe pas un pays. Pour l'instant, Eto'o n'est que président de la FECAFOOT, en fait. Président de la Fédération camerounaise de football. En quoi les décisions de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football vont déstabiliser tout le Cameroun? En quoi Eto'o est une menace pour le Cameroun, étant seulement à la Fédération de football camerounaise? Dites-moi, moi, je pose les questions simples. Ça veut dire que vous avez peur, ça veut dire qu'on te baille. Quand on dit qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun, comme vous voyez que les Camerounais, beaucoup là, il y a un mouvement en ce moment, les jeunes qui réclament Eto'o comme président. Donc toi, tu fais partie des mercenaires qu'on a engagés pour salir l'image d'Eto'o. En quoi Eto'o est une menace pour le Cameroun, puisque son secteur pour l'instant là, c'est président de la FECAFOOT. Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Si le conseil n'est pas important, ben, ne le fais pas, en fait, frère. Je veux dire, tu peux pas venir te foutre de la gueule du promoteur qui a investi sur toi. Come on. Cher promoteur, nous, on est là. Vous partez chercher les zozos comme ça qui disent que votre investissement n'est pas important. C'est clairement ce qu'il vient de dire. Que votre investissement, non, ça, vous avez pris celui-là qui n'a encore rien réalisé ici, là, en Bing. OK?
dont la musique est inconnue au bataillon ici en Bénin. Vous le prenez, vous le mettez, vous lui organisez une tournée. Il refuse de faire la promo parce que c'est un feignant, parce qu'il préfère la facilité et parce qu'il a un ego démesuré. C'est que moi je suis, c'est pas à moi de faire ça. Et il vous explique que le concert là n'est pas plus important que Eto, qui n'est que président de la FECAFOOT, c'est tout. Ça, c'est de la bouffonnerie, frère. Qu'est-ce que tu es en train de dire aux jeunes artistes? Les gens investissent sur toi. Si tu trouves que ce n'est pas important le concert, paix. Ne chante plus, non. Ce qu'elle dit là, c'est pas logique. Si tu trouves que ton propre avenir, ta propre carrière n'est pas important, tu peux aimer les Camerounais plus que toi. Quelqu'un qui ne donne pas de la valeur à son propre travail peut vous donner de la valeur à vous. Come on. La musique, c'est une passion, frère. C'est comme le foot, c'est comme le sport, c'est le dépassement de soi. C'est un art. C'est une discipline. Et dans chaque discipline, qu'est-ce que tu veux faire? C'est te dépasser, être meilleur que ce que tu étais hier. Si tu n'as rien à foutre de ton propre art, de ta propre discipline, pourquoi nous, on doit croire que tu en as quelque chose à foutre des disciplines des autres? Pourquoi on doit penser que tu veux l'évolution du Cameroun? Si à ton petit niveau, tu refuses d'évoluer pour toi, en quoi tu peux faire évoluer le Cameroun? En quoi? En t'asseyant ici, là, devant ton écran, tous les jours, depuis que tu bavardes, qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Depuis que tu bavardes, combien de jeunes t'ont écouté et sont passés à l'action, faire quelque chose de concret? Il y a eu quoi comme avancée? Déjà, quand on regarde ta page, on voit que tu es en régression, tu es en chute, tu es en perte de visibilité, et ça depuis plusieurs mois. Donc, qu'est-ce qui est encourageant dans ce que tu fais payer? Qu'est-ce qui peut encourager les jeunes à dénoncer comme toi quand on te regarde? Quoi? Vous sur YouTube, bienvenue, vous êtes 25 maintenant. Prière de cliquer sur les trois boutons à droite et de liker, s'il vous plaît, partager le live. On continue, on va aller pas à pas, je vais répondre pas à pas. Et le concert n'est qu'un intérêt individuel, personnel, pour me faire plaisir. Pour me faire plaisir. Dans le concert, c'est pour te faire plaisir. Mes frères, fais le concert dans ta salle d'attente qui est toujours bondée. Ta salle d'attente est toujours bondée. Père, fais comme moi là. Mon mini concert sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Ce samedi 22 juin à 21h à l'occasion de mon anniversaire. Pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir. Ce samedi 21h, 22 juin, pour me faire plaisir et vous faire plaisir, je serai en concert, en mini-concert, dans ma chambrette, comme ils ont dit que je suis artiste et TikTok et Facebook et YouTube. C'est mon niveau. Je ne vais pas aller prendre l'argent de quelqu'un qui va aller investir sur moi pour jouer avec, frère. Mon niveau pour l'instant, c'est de faire les lives ici, là, en live. Enfin, en live. De faire le live sur mes plateformes multimédia digitales. Voilà ce que je veux faire. Si tu veux te faire plaisir, père, quand tu allumes ta caméra, là, fais les acapella, fais les freestyles comme tous les rappeurs font, père. Improvise. Ou bien, fais ça ici sur ta page, comme c'est juste pour te faire plaisir. Enfin, les gens engagent l'argent. Toi, tu simplifies l'argent que les gens ont misé sur toi. Et tu veux nous faire croire que tu peux donner l'importance aux choses du Cameroun? Comment? Mais Eto, lui, menace d'intérêt collectif. Ça veut dire que si je voulais défendre mon concert, j'aurais abandonné l'intérêt collectif et dit que non, je veux soutenir Eto. Mensonge. Tu pouvais ignorer Eto. Tu pouvais parler des deux, par exemple. Je ne suis pas moi. Tu vois, moi, chaque fois que je fais une sortie en live ou une simple vidéo, je rappelle mon petit concert. Ce n'est pas dans une salle. Ce n'est pas dans une salle. C'est ici, là. Mais je rappelle quand même que oh, j'ai mon concert samedi. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Même si je parle de quoi, je vais vous glisser toutes les 5 minutes que samedi 22 juin 21h, j'ai mon concert. Ici, Facebook, YouTube, TikTok. Et à minuit, on souffle sur mes bougies parce que c'est mon anniversaire le 23 juin.
Ça m'a pris quelques secondes, en fait. Donc, tu veux me dire que dans tous tes podcasts que tu fais 14 podcasts par jour, père. Donc, tu n'as pas pu caler dedans. Mettre même l'affiche de ton concert seulement à la fin de tes podcasts. Tu ne peux pas. Mettre seulement l'affiche. Donc, coller l'affiche à la fin de tes podcasts. Mettre l'affiche au début, mettre l'affiche à la fin. Même si tu ne parles pas. Tu ne pouvais pas. Comment quelqu'un peut justifier la médiocrité et la fainéantise? Vous voulez que le Cameroun change? Vous êtes incapable de travailler. Tu es incapable de te battre pour quelque chose qui te concerne directement. Et on doit croire que tu peux te battre pour nous, Camerounais. Comment? Allez, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux, frère. Retrouvez-moi sur Oshiga, la reine Scarabée. Ceux qui commentent là-bas, Chamé, Kamé, sur les autres pages, sur Oshiga, je ne peux pas lire vos commentaires. Venez sur Oshiga, la reine Scarabée. Tapez dans là-bas, sur Facebook, vous me retrouvez sur Oshiga, la reine Scarabée. Là, je pourrais lire vos commentaires. Sur YouTube, pardon, arrête la rappelle de liker. Écris comment on like. Écris, cliquez sur les trois points en haut à droite. Vous likez et je vais épingler ton commentaire, s'il te plaît. C'est très important. Il faut que quand ils entrent, tout le monde le like. Comme ça, je n'ai pas à le répéter tout le temps. Et vous ici, envoyez les cœurs, likez, envoyez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. Toi ici, Mireille, est-ce que tu peux faire pareil? Leur dire likez, partagez, envoyez les cœurs. Et moi, je vais épingler. S'il te plaît, ma puce. Donc, on continue. Frère, comment tu peux dire que parler de ton concert, c'est ne plus parler des taux? Tu pouvais faire les deux. Pourquoi tu dis que... Parce qu'il veut faire croire, vous allez écouter à la suite, il veut faire croire qu'on lui fait du chantage. Donc, il prend derrière mes arguments. Il vous a dit que celui-ci pompe chez moi tous les jours. Comme je dis souvent ici, qu'on me fait du chantage, on veut que je me plie. Ce que vous voyez tous, hein, vous avez tous constaté, vous savez que je ne manque pas, c'est devant vos yeux. Donc maintenant il veut dire la même chose, qu'on lui demande de se plier devant Eto pour qu'on ait à son concert. Non, personne ne t'a demandé de te plier devant Eto. Tu pouvais faire vue et ignorer sur Eto pour te concentrer d'abord sur ton concert. Ou tu pouvais parler des deux en fait. Comme ça là, ce sera bon pour mon concert. Là on appelle sacrifier l'intérêt collectif pour l'intérêt personnel. Dans mon intérêt personnel, les gens qui disent, au lieu de faire la promotion de ton concert, tu as passé ton temps à parler des taux. Voilà maintenant que ça n'a pas marché. J'ai dit que oui, les enfants. Si vous rentrez dans le process du général, la défense de l'intérêt collectif est plus importante que les intérêts individuels. C'est-à-dire que parler de la fête à foot, passer des heures, des semaines, des mois à préparer les esprits au soulèvement populaire, au bouleversement politique, à la pièce maîtresse qu'est Samuel Eto'o dans le changement et les 40 prochaines années du Cameroun de demain, à la souffrance pour l'eau et le courant, c'est plus important pour moi que parler d'un conseil. Dans ce cas, prends ta retraite. Si on suit ta logique, prends ta retraite. Pourquoi tu fais gaspiller l'argent des Camerounais? Parce que les gens qui misent sur toi là, ce sont des Camerounais. Pourquoi tu leur fais perdre leur son? Si ce qui est le plus important pour toi, c'est le combat, et que tu n'as rien à cirer de ne pas remplir les salles, bah arrête de chercher à les remplir en fait. Pourquoi tu vas quelque part sachant très bien que tu vas flopper? Pourquoi tu demandes aux gens d'investir leur argent sur toi? Parce que les salles, on les paye par contre. Les salles, on les paye. Et ce que tu viens de dire, c'est complètement à l'opposé de ce que tu as dit dans ta première sortie où tu remerciais le peu de gens qui est venu. Qui sont venus, pardon. Likez sur YouTube, s'il vous plaît. Likez le live, s'il vous plaît. Les trois boutons en haut à droite, vous cliquez dessus. Parce que là, tu es en train de manquer de respect à ceux qui sont venus. Tu es en train de dire que tu ne te donnes plus dans la musique, mais tu veux que les gens payent leur ticket pour venir te voir. Alors que tu as décidé que ta musique n'est plus importante. Ce qui est important, c'est Eto'o. Tu as décidé d'abandonner ta musique pour consacrer ta vie à Eto'o. Eh bien, écoute, ne parle, ne fais plus les concerts. Ne fais plus les concerts, tonton. Ne fais plus les concerts. Laisse tomber. Ça veut dire que les gens qui payent les tickets pour venir te voir, ils perdent leur temps. Tu n'es plus avec eux. Tu n'es plus par rapport. Ne gaspille pas le temps et l'argent des gens. Ça veut dire que tu ne respectes ni les promoteurs qui investissent sur toi, ni ceux qui se déplacent et qui payent, le peu de gens qui payent le ticket là pour venir te voir.
Même eux, tu ne les respectes pas. Tu es en train de leur dire que tu ne te donneras pas à fond pour eux. Que ce n'est pas important. Donc, ils ont dépensé leur argent et leur temps pour quelque chose qui n'est pas important finalement, en fait. Croyez-moi, les enfants. Parce que l'intérêt collectif est la boussole de la clinique. La clinique n'a pas été construite pour l'intérêt personnel des papas. Non. Non, pas du tout, les enfants. Et le combat... Pourtant, la clinique est monétisée, hein? Papa, vilain papa, t'as ton nez qui s'allonge, papa. Pourquoi tu leur dis pas que tu manges grâce à la clinique? Si tu te permets de ne pas travailler dans le pays où tu es, alors que tu ne fais pas vraiment de tournée, c'est parce que tu ne tournes pas. C'est parce que tu fais là, tu travailles à la clinique, papa. T'es monétisé. T'as une chaîne YouTube monétisée. T'as une page Facebook monétisée. Dis la vérité, papa. Il faut arrêter ça. Hein. Tu vas m'obliger. C'est toi qui m'as... Si tu étais resté tranquille, moi, je ne voulais pas sortir sur toi. Hein. Moi, j'avais dit que non, j'ai pitié. On ne dit pas sur l'ambulance. Mais là, tu veux te foutre de notre gueule, père. Là, tu veux te déranger. Et moi, je suis obligée de venir dire la vérité aux Camerounais. Tu vois un peu. Faut arrêter ça, papa. Dis-le. Que si tu peux te permettre de ne pas walk où tu es là, c'est parce que tu pointes à la clinique. Parce que tu es monétisé. Sinon, il y avait à Facebook quand tu travaillais au Cameroun, tu pouvais faire la même chose. Pourquoi tu ne faisais pas ça? Parce que ça ne payait pas là-bas où tu étais. Comme ça bat ici, non? Tu dors que sur ça. Toutes tes journées, tu fais les podcasts. Tu peux faire 15 podcasts par jour, père. C'est ton nouveau travail. Dis-le ça. Que c'est parce que le blogging est plus important pour toi aujourd'hui que la musique. On va comprendre. Viens, tu tapes comme ça, c'est que je vais vous dire la vérité, c'est que moi aujourd'hui, je me sens plus créateur de contenu que chanteur, que rappeur. Dis-le que créer du contenu surtout sur, avec le nom de ton fils rapporte les vues. Dis-le ça! Que créer du contenu me rapporte plus d'argent aujourd'hui que d'aller dans vos concerts bracata. Où vous me perdez le temps, vous m'obligez à répéter, à faire les conneries, comme moi, avec Dak mon cou, mon frère. Moi, je vais fumer mes filons, enchaîner mes filons, je vais boire ma bière, parce que c'est un soulard Pro Max. C'est un manque qui me porte plainte pour diffamation. Papa, il a enlevé le coude qui ne dit pas son nom. Et il date franchement. Oh, pour faire une tournée, il faut se... Regardez même le sur scène. Vous avez vu, moi, j'ai vu une image de toi sur scène. Dans la baronne, tu vas sauf que sortir, fille, garçon de mes deux. Tu vas porter tes nimbans. Toi, comme toi, tu as les couilles là, la baronne de Suisse. Tu vas sauf que sortir, parler, décrypter l'affaire-ci. Tu vas décrypter son jeu de scène. Tu vas décrypter ses sorties. Tu vas décrypter son flop. On ne te donne pas le choix. Je sais que là, tu es en train de réfléchir à comment tu vas contourner, retourner pour manipuler les gens. Mais c'est blanc. Même s'il faut faire 14 sorties pour ouvrir les yeux aux gens, il va sortir que sauf. C'est l'air du verso, man. Une expérience que tu as triché chez moi, papa. Faut leur dire que tu étais abonné chez ta fille. Ta fille que tu voulais gnoxer. Faut leur dire ça. Que tu prenais les coups. Fuck! De ce côté. Que l'air du verso, là, c'est ici que tu as entendu ça. Si on te demande ce que ça signifie, là, tu peux pas. Donc, toi, tu es en train de subir l'air du verso. Donc, fais gaffe à ton nez qui s'allonge, père. Arrange-toi bien et tu refais le podcast, là. Tu leur dis ceci. J'ai décidé que ma carrière de blogueur, de créateur de contenu était plus importante et plus rentable que ma carrière de rappeur. Ne viens pas nous parler de l'intérêt collectif de mes deux. Tu es entré en prison là-bas avec les gens, tu n'as jamais envoyé 5 francs là-bas pour eux. Jamais. Quand tu envoies 5 francs, c'est où il y a la pub. Quand tu envoies 5 francs, c'est à Jenny Gento parce qu'il y avait le buzz sur sa mort. Quand tu envoies 5 francs, c'est à Prince Aimé parce qu'il y avait le buzz sur Prince Aimé. Voilà où tes 5 francs partent. Sinon, il y avait Happy des Foulans là-bas. Tu es venu promettre pendant qu'il y avait le buzz. Après, il a tendu les dos, la casse-tête. Ce n'est jamais arrivé. Jamais, que oh, petit, sors de là. Sors d'un coup. Sors du cœur. Moi, papa, je promets. Le petit a ouet. Comme le buzz était à passer, tu ne le gérais plus. Donc, tu nous arrêtes ça très rapidement, le père. Tu nous arrêtes ça très rapidement. Nous ne sommes qu'au début de son podcast, les gars. Likez-moi le live, bonjourtoli.com. Likez-moi le live, partagez et envoyez les cœurs.
C'est de ça qu'il s'agit, gars. Encouragez-moi, mais pas son reste. Vous vous rendez compte qu'on est 49 sur YouTube, on est que 55 sur TikTok, sur Facebook, alors qu'on est, on est cross-posté. Je suis choquée. Dinguerie. Donc, pardon, motivez-moi. Par où je suis là, taguez les gens. Motivez-moi. Taguez la baronne. Venez sur Chiga la Reine Star et vous taguez la baronne. Vous, sur YouTube, s'il vous plaît, cliquez sur les trois points en haut à droite, vous likez et vous partagez le live. S'il vous plaît seulement. Oh, merde. Ah, que je mène, il est beaucoup plus important que celui d'un rappeur. Imaginez-vous si j'étais seulement un rappeur, non. Il y a longtemps que je ne le suis plus. Il y a un autre bonhomme qui a même dit quelque chose de plus important. Ça va entendu. Plus de 800 000 abonnés. Il y a longtemps que je ne le suis plus. Aussi. C'est-à-dire que je suis comme le porno. La clinique est essentiellement comme le porno. Les combats que nous menons ne sont pas assumables. À ceux qui disent que... Bienvenue au nouveau. Le MRC ont abandonné Valsero, c'est pour ça que sa salle était vide, évidemment. Je peux vous dire que lorsque j'ai pris le train du changement en 2005 avec mes potes, les enfants de la Révolution, ce train était vide. Le nombre de concerts vides qu'on a fait au Cameroun, c'était des masses et des masses. Et ça nous... Tu faisais les concerts vides parce que ta musique ne plaisait pas. Et puis comme tous les artistes qui débutent, hein, c'est normal de faire des conseils, de taper poteau au début. Même Burna Boy tapait poteau, aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre. Mais comment toi depuis des années là, tu fais seulement concerts vides et tu continues non paix. Si la musique ne te veut pas, laisse. Ça n'a jamais posé un problème. Si à un moment le concert est devenu plein, c'est justement peut-être parce que la base et le MRC ont trouvé qu'à l'intérieur du train qui était le nôtre, il y avait quelque chose qu'on avait en commun, que c'était bien de monter dedans. Ils sont montés. Likez sur YouTube, s'il vous plaît, likez. C'est peut-être parce qu'on est arrivé à une gare. Sur les trois points. On a pris ce truc en commun. Ils sont redescendus. Non, papa. Mon train, oui. Non, papa. Il dit que quand les gens de la base du MRC sont montés dans son train, c'est là qu'il a fait, il faisait les salles pleines et qu'ils ont cheminé, qu'à un moment, ils n'étaient plus, donc ils ont vu qu'ils sont arrivés à leur destination, ils sont descendus du train. Non, le père, ils ne sont pas descendus du train. Nayou, woman fille, Nayou don Shiba from the train. C'est toi qui es descendu du train, parce que ça ne rapportait plus. Le nom de Kamto ne vend plus. C'est pour ça que tu ne parles plus son nom. Tu as arrêté de Kuma, de Kamto. C'est toi qui es même monté dans leur train. Ce n'est pas eux qui sont montés dans ton train, père. C'est toi qui es venu te rallier à Kamto. Ce n'est pas eux qui sont venus s'aligner avec toi. Tchai! Avant Kamto, tu étais avec qui? Avant Kamto, tu étais avec Akeremuna. Avant Akeremuna, tu étais avec un autre. Père, respecte-nous, hein? Respecte-nous, hein? Père! C'est toi qui es Djoum dans leur train. Et toi, Mdia, il y a une interview à TV5 Monde. Je vous invite à aller regarder ça. L'interview là dit tout. L'interview dit tout. Dans l'interview là, tu dis que oh, tu as vu Kamto, tu as vu un espoir en Kamto. C'est pour ça que tu t'es rallié à lui. Quand on te demande si tu n'as pas peur que les politiciens t'utilisent, qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds que non, les politiciens ne sont pas... Il n'y a aucun politicien assez intelligent au Cameroun pour t'utiliser. C'est toi qui les utilises. C'est ce que tu as dit. Ce n'est pas moi. C'est ta bouche. Et l'interview là est sur TV5 Monde. Tapez sur YouTube quand vous voulez. Valsero TV5 Monde. Vous allez trouver l'interview. Asseyez-vous confortablement. Étendez bien l'oreille. Vous écoutez. Et vous allez comprendre que lui vous dit depuis qu'il a une opportunité. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. C'est toi qui es monté dans le train. Et quand le train ne pouvait plus produire, quand tu as vu que le train avait ses limites là, tu t'es arrêté, tu es Shiba, tu as vu que non, le nom de Kamto ne donne plus l'argent et tu as trouvé que merde, j'ai allé vu, hein, ils m'ont donné la visibilité sur les réseaux sociaux, ben tu étais connu seulement là-bas au Cameroun, ils t'ont donné une visibilité sur les réseaux sociaux, tu as vu que merde, on peut monétiser l'affaire si, j'étais où mon frère? Ça là, ça me suffit pour bailler mon cœur et mon odontol. Il n'est pas où. Laissez-moi ici là. Peut-être que je peux trouver même mieux. Parce que les prochaines élections, là, comme vous avez fuck up, peut-être qu'il peut trouver un autre candidat. Hein? Donc là, il a en train de se battre, il joue à sa carte de sauveur du peuple pour qu'on vienne le copter. Vous allez dire que ce sont des mercenaires. Il cherche qui va venir payer ses services là pour faire sa campagne. Ok? C'est ça la vérité. Tu nous arrêtes ça tout de suite. Continue ça.
Et moi, mon train, lui, il continue sa route. La lutte pour l'intérêt collectif est extrêmement plus importante. Le bonheur pour tous ne souffre pas des compromis que tu peux faire. Chaque fois que tu fais un compromis avec celui qui est dépositaire des enjeux du bonheur collectif, alors tu sacrifies le bonheur collectif pour le bonheur individuel. Chaque fois que tu fais un compromis avec celui qui est dépositaire des intérêts collectifs, qui t'a fait sortir de prison? Tu dois nous dire qui t'a fait sortir. Tu dois nous dire qui t'a payé, qui a fait ton passeport, qui a payé ton billet d'avion pour arriver en Benin, qui a organisé ton mariage. Tu dois nous dire comment, toi qui nous disais qu'il n'y a pas deux jours là que tu es apatride, comment tu as fait pour partir en Côte d'Ivoire et revenir surtout. Tu dois nous dire ça. Si tu n'as pas fait de compromis. Si tu n'as pas fait de compromis, tu dois nous dire pourquoi tu mangeais l'argent des taux pendant 2 ans. Tu n'as jamais répondu. Tu as dit qu'on ne fait pas de compromis. Quand Eto a dit qu'il te chocouait pendant 2 ans, tu es venu nous dire quoi? Que si je dis pourquoi tu me donnais l'argent, là, tu vas aller en prison. Ça veut dire que tu as fait des compromis. Ça veut dire que tu as couché avec le diable. Donc, tu prenais le dos là. Tu savais que c'était le dos de la corruption. Tu savais que c'était un sale dos qui pouvait bring Eto en prison. Mais tu as pris. Tu as mangé. Et en silence. Et tu n'as partagé l'info, l'argent avec eux, personne. Est-ce qu'on a dit, y a mis fin? C'était combien encore? Pardon, si vous vous rappelez, mettez le montant ici, là, que Eto lui donnait tous les mois pendant 2 ans. Nous, on peut insulter Eto. Tu nous accuses de supporter ou de ne sais quoi Eto. Pourtant, toi, tu as chopé ses dons. Tout le temps, là, tout le monde savait que Eto était un sardinat. Quand on le lavait ici sur la toile, tu ne le lavais pas. C'est quand tu arrivais en Bengue, tu as vu que tu pouvais commencer à lui parler fort. Parce que tu gagnes de l'argent de la monétisation. 5 colos. Merci, tata Alex. 5 000 euros par mois pendant 2 années, sa mère. Et maintenant, tu veux nous dire quoi? Nous, aussi, on va chop les 5 000 euros, là, frère. Tu vas pas nous knock. Tu as fini de chop ta part. Tu as essuyé ta bouche. Maintenant, tu veux nous empêcher d'aller manger pour nous. Papa Eto, moi, j'attends ma part. J'attends ma part, Hora. Je suis une artiste du futur du Cameroun. Oui. Tu as soutenu plein d'artistes là qui ne chantent que le sang, qu'à le son, qui ne font que les choses bizarres, le père. Tu dois me soutenir aussi. C'est comme ça. Voilà, voilà, voilà les gens à qui tu as donné ton argent. 5 colos. Tu ne vois pas que tu dois chanter. Papa Eto. Tant que tu ne vas pas comprendre la leçon, la vie va continuer de te fouetter. Hein. Tu as donné ton argent à Nathalie, quoi? Tu as vu ce qu'elle t'a fait? Tu as donné ton argent à celui-ci, tu as vu ce qui est tu vois. Donc, change, revois tes choix. Hein. Ouais, t'as comment quelque chose. Hein. Revois tes choix, hein, le père. Voilà tes choix là-bas. Les voilà qui sont venus te déposer au carrefour pour gagner l'argent et la notoriété sur toi. Au moins, Nathalie, quoi, finit par avouer que sans Eto, je n'aurais pas la visibilité que j'ai aujourd'hui. Celui-ci, lui, ne veut pas accepter. Qu'il est en train de manger derrière toi, il fait comme si oh, c'est pour l'intérêt commun. Merci, tata anonyme pour mes étoiles. Ngo, oh, intérêt commun. Quel intérêt commun? Tu connaissais l'intérêt commun quand tu es sorti de prison, tu as Nyongo. Père, si ton intérêt personnel n'est pas plus important que l'intérêt commun, pourquoi tu es sorti de prison, tu es parti? Pourquoi tu as accepté de sortir et laisser tes camarades de la Bongata? Tu devais dire que non, je ne suis pas Djoum ici seul, on part ensemble. Ou bien, c'est ça l'intérêt commun? Non, vous qui êtes venu me chercher, la faites sortir tout le monde. Sinon, on ne peut pas sortir. Bah, je suis un combattant. Ce n'est pas juste qu'eux, ils restent dedans. Et moi, je sors. Non seulement je sors, mais je travel. Je viens poser la Hawaii. Maintenant, je porte les polos. Je suis au chaud. J'ai les maisons, il y a les bibliothèques. Il y a les bibliothèques chez toi, Yaoundé. Je suis dans les maisons, il y a la bibliothèque derrière moi. Je me prends pour Dieu de Nimbala Mbala. Bah, c'est la copie conforme de Dieu. Bah, lui, c'est un copieur. Hein. Lui, il ne crée rien du tout. Hein. Il ne crée rien. C'est un copieur. Le Kongosa du quoi t'as dit même que même ses sons, c'est pas lui qui écrit. Comment il n'est pas vu, il n'est pas affirmé. J'ai dit que c'est le Kongosa du quoi qui dit ça. Que même ses sons là, c'est pas lui qui écrit ça. Hein, père? Tu as pensé à l'intérêt commun? Quand tu es rentré en prison pour tes convictions d'après toi, on te relâche, tu fuis encore. On fuit quand on est en danger. Tu n'étais plus en danger, tu avais reconnu le pire. Tu t'es Adjumungata. Tu réussis à ressortir, tu Nyongo.
Tu restes là. Le combat continue. Tu es la preuve vivante qu'on peut. Tu devais rester au pays, montrer que tu es la preuve que on peut du monde gâter pour ses convictions et on ressort, on est là, on continue le combat. Ou bien, non, tu as vu que c'était mieux la neige. Tu as vu que c'était mieux le petit déjeuner, les croissants le matin avec le café. Tu as vu que le tas a meilleur goût ici, là. Mm-hmm. Tu as vu que ça a meilleur goût ici. En plus, c'est un peu interdit. Tu veux faire ça à qui? Ngo et ton fils. Individuel. Par exemple, on est en concert le 6 juillet à la Madeleine. Coucou, bibiche. Franchement. Donc, on va laisser les problèmes d'intérêt collectif. On va laisser les problèmes d'alternance qui se jouent. On va laisser la préparation de 2025 ou avant. On va laisser le chétan rigoler au milieu des Camerounais en se baladant avec un bidon d'essence. Tu as préparé 2025 à quel niveau? Normalement, si vous aviez un candidat et un plan pour 2025, vous seriez en train de parler de ça maintenant au lieu de parler de ton fils. Nous sommes en 2024. Nous sommes déjà à la moitié de l'année. Les élections, c'est l'année prochaine, 2025. On ne connaît pas votre programme. Vous n'avez pas commencé à faire votre campagne. Rien du tout. Qu'est-ce que tu veux me raconter aux gens là? Ah, chez nous. S'il vous plaît, cliquez sur les trois boutons à droite, vous likez. Bibiche, est-ce que tu es toujours abonné, ma belle? Tu as toujours ton abonnement? Je serai en concert le 22 juin à 21h à l'occasion de mon anniversaire. On soufflera mes bougies. À minuit, puisque je suis née le 23 juin, d'accord? Je serai en concert ici, sur la plateforme YouTube, Facebook, TikTok, à 21h, samedi 22 juin. D'accord? Donc, je compte sur vous. Soyez nombreux, s'il vous plaît. Et quand vous arrivez, vous likez, vous partagez et tout. Voilà. J'ai mis un live, j'ai mis un direct sur ma page. Vous devez aller cliquer sur le direct. Cliquez sur le direct. Qui a, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi je ne vois pas la même chose que vous. Il y a un direct programmé, voilà, le 22 juin à 21h. Allez activer la cloche pour que ça vous prévienne le moment venu. Il y a un direct qui est prévu. Je ne sais pas si vous le voyez sur la page. Allez vous inscrire, allez activer la cloche pour être signifié au moment, être notifié au moment où le live va commencer. Juste parce qu'on fait un concert, si vous voulez, vous ne venez pas. Nous, les enfants. Non, les enfants, la clinique, leader mondial. Si vous voulez, vous ne venez pas. Donc, vous qui avez payé les billets, j'ai pitié de vous. Hein. Si vous voulez, vous ne venez pas. Voilà ce qu'il vient de dire. Il a conseillé le 6 juin. Mais si vous voulez, vous ne venez pas. Hein. C'est son agent. Et le promoteur. J'ai pitié du promoteur. J'ai pitié du promoteur qui a investi son argent sur toi, en fait. De la sensibilisation dans la tête, ce n'est pas leader mondial du divertissement. Non, il est leader mondial. Leader mondial de la sensibilisation dans la tête. Parce que vous n'allez pas nous forcer, on va pas. La clinique ne subit aucun chantage. La clinique ne peut subir aucun chantage. Parce que les maîtres chanteurs n'ont pas de place. La clinique ne peut subir aucun chantage. On like, c'est ici ou ici, les gars. Et je vous promets, les enfants, quand vous allez encore revenir dire que c'était vide, c'était ceci, c'était cela, sachez que ça ne doit pas nous poser un problème. Oh, si tu veux que ce soit plein, arrête de parler des taux. Vous calmez vos histoires. Non, les enfants et tout, c'est le chétan. C'est le chétan. Et on doit préserver les générations à venir. Maman, après avoir mangé pendant 2 ans, on peut faire ça. On peut faire. Guérique, après avoir mangé pendant 2 ans, on peut faire quoi? On peut faire ça. Ah, pétard! Ceux qui arrivent en retard, pardon, vous allez remonter pour écouter le live, s'il vous plaît. Likez d'abord pour ne pas perdre le live. Les 3 points en haut, je ne sais pas si c'est ici ou ici. Dites-moi. Ça, c'est ma droite. C'est à ma droite ou à ma gauche? Dites-moi, ma droite à moi. Ma droite ou ma gauche? Les 3 points. Maman, Balzéro, tu as fini avec. On doit préserver les générations à venir de ce type de bonhomme.
Et l'une des raisons importantes encore pour laquelle nous nous sommes retrouvés tous. Yassi, maintenant, partagez-le. Ton amour pour le Cameroun est beaucoup plus grand que l'amour que tu as pour les hommes, alors tu te retrouves tout seul. Vous croyez que le Cameroun se retrouve abandonné à lui-même, pourquoi? C'est parce que l'amour que vous avez pour les hommes est beaucoup plus important que l'amour que vous avez pour le pays. Parce que... Merci pour la partie ici. Nous sommes d'accord. C'est quelque chose que je dis ici depuis très longtemps. Depuis très longtemps, je dis ici que les Camerounais ne sont pas prêts au changement parce qu'ils idolâtrent les personnes, les gens qui les dirigent. Plus que l'intérêt commun. Voilà ça qu'il a repris. Sauf que lui, il manipule ça maintenant à sa sauce. C'est ce que je leur reprochais par rapport à toi. Tant qu'il t'aimait, toi, ça ne te dérangeait pas. Maintenant, comme c'est toi qui préfères, ça te dérange. Sinon, toi, ça ne te dérange pas qu'il t'idolâtre. La preuve, c'est pour ça que tu viens les appeler les enfants. C'est-à-dire, quelle contradiction. Tu les infantilises tous les jours et tu te plains qu'ils aiment les personnes plus que le pays. Mais c'est ce que tu... C'est, ça t'arrangeait tant que c'était toi qu'ils aimaient. Je vais reprendre la partie. Là, vous allez écouter attentivement. Je vais laisser finir tout son speech sur ce sujet-là. Vous allez comprendre. C'est là que ça devient intéressant. Les enfants et tout, c'est le chétan. C'est le chétan. Et on doit préserver les générations à venir. On doit préserver les générations à venir de ce type de bonhomme. Et l'une des raisons importantes encore pour laquelle nous nous sommes retrouvés tous, lorsque ton amour pour le Cameroun est beaucoup plus grand que l'amour que tu as pour les hommes, alors tu te retrouves tout seul. Vous croyez que le Cameroun se retrouve abandonné à lui-même, pourquoi? C'est parce que l'amour que vous avez pour les hommes est beaucoup plus important que l'amour que vous avez pour le pays, parce que vous êtes des populations. Pourquoi il a abandonné le MRC? Voilà ce qu'il a dit. Si Samuel Eto'o avait dit qu'il va venir au concert de la Madeleine, si Samuel Eto'o dit là que je vais venir au concert de la Madeleine le 6 juin à Bruxelles, vous allez venir parce que Samuel Eto'o est là. Vous n'allez pas venir parce que nous sommes en train de mettre le Cameroun sur le pied du chemin de l'amour. Donc, venir à ton concert, c'est le chemin de l'amour au Cameroun. Écoutez bien, il dit vous allez venir parce que Eto'o fils est là. Vous n'allez pas venir parce que nous sommes en train de mettre le Cameroun sur le chemin de l'amour. Donc, c'est son concert qui va sauver le Cameroun. Un coup, il dit que le concert n'est pas important. C'est parler des taux qui est un danger pour le Cameroun, qui est important. Maintenant, il nous dit que non. Son concert, finalement, est important parce que c'est ça qui va sauver le Cameroun, ramener l'amour au Cameroun, mais que les Camerounais ne veulent pas y aller. Ils vont y aller parce qu'ils suivent Eto'o fils. Si Eto'o fils était invité à son concert, si j'ai mal compris, vous me dites. Si je comprends. Parce que quand les gens parlent, ils parlent rapidement. Donc, moi, il prend la peine de faire le ralenti pour vous. Et il vous a dit pourquoi il s'est retrouvé seul. Seul, c'est-à-dire pourquoi il n'est plus avec la BAS et le MSC. Parce que lui, il n'est pas amoureux des personnes. Mais il est amoureux du Cameroun. Or, les gens de la BAS et du MSC sont amoureux d'une personne. Maurice Kamto. Est-ce que vous comprenez très bien ce que le gars Santini dit. J'espère que c'est bon pour tous. Si je me trompe, vous me corrigez. Moi, je n'ai pas de problème à débattre. On continue. Beaucoup plus important que l'amour que vous avez pour le pays, parce que vous êtes des populations. Parce que vous êtes des populations. Si Samuel Eto'o avait dit qu'il va venir au concert de la Madeleine, si Samuel Eto'o dit là que je vais venir au concert de la Madeleine le 6 juin à Bruxelles, vous allez venir parce que Samuel Eto'o est là. Vous n'allez pas venir parce que nous sommes en train de mettre le Cameroun sur le pied du chemin de l'amour. Non, vous allez venir parce que l'homme que vous aimez plus que le Cameroun sera à cet endroit-là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez venir parce que l'homme que vous aimez plus que le Cameroun sera à cet endroit-là. Quand on dit que Vassero fait un concert au Zénith de Paris, on dit c'est plein. Pourquoi ils sont venus pleins? Ils sont venus pleins parce que Kamto était là. Donc il y a des gens... Merci. La période où on disait ça, que les gens sont venus à son concert parce que Kamto était là, est-ce qu'il acceptait? Donc, vous ne saviez pas qu'il n'est plus avec eux, mais vous êtes naïfs. Quand il voyait les gens qui couraient derrière eux, là, qui m'insultaient pour lui, que, parce qu'il pensait qu'il n'est plus avec eux depuis très longtemps, il a à vendre. Il est au chômage, là. Il cherche un nouvel employeur. Il a fini de manger ce qu'il pouvait manger derrière eux. Il cherche un nouvel emploi. Je vous ai dit ça depuis longtemps ici, que ce sont des mercenaires.
Que ce soit lui ou les Jipoins, Mingono, eux tous, même Amel Kamel, vous avez dit ça cache. La différence entre eux tous, c'est que moi, mon gars, lui, il est cash. Lui ne fait pas les plans. Il vous dit que moi, c'est le dos. C'est le seul qui reconnaît. Sinon, tous là sont des mercenaires. Que ce soit les Boris Bertol, que ce soit les Chuta, que ce soit les Uimanto, que ce soit les lui là, que ce soit les comment on appelle, Jipoin. Ce sont tous des mercenaires. Tous. La seule différence entre eux et mon petit père, c'est que moi, mon petit père, lui, vous dit cache la vérité. Que je me vends au plus offrant. Lui, vous dit cache. Les autres ne vous le disent pas. Ils jouent avec vos sentiments, avec vos émotions. Et pourquoi tout ce monde-là ne peut pas prendre le changement au sérieux? Parce que la population n'est pas prête au changement. Tu ne peux pas changer un peu plus. C'est à eux. Donc, c'est les scénarios qu'on est en train de tourner. Comme vous êtes dans l'illusion du changement, c'est ce que je disais. Il fait sa clinique. Vous mettez les vues dedans. Il gagne son argent. Il sait très bien que ça ne va rien changer dans vos têtes. Parce que vous n'êtes pas prêts. Mais pendant le processus où vous croyez que vous êtes à quelque chose en train de se passer là, lui, il ramasse son argent au calme, comme tous les autres, en fait. Nous sommes dans un film. Chacun joue son scénario, chacun joue sa partition. Et vous, vous êtes les dindons de la farce. Parce que vous êtes les plus concernés par ce qui se passe. Vous qui êtes au Camerounais. Par nous, là, nous, on n'est pas obligé de rentrer personnellement. Moi, je peux mourir ici, là. Il n'y a pas de problème. Oui. Vous êtes les plus concernés. OK? Mais vous attendez que ce soit les autres qui se battent pour vous. Bon, les autres, eux, ils vous gardent dans la distraction. Les toli. On va continuer de parler. Vous aimez qu'on vous caresse, non? Oh, vous souffrez. Oh, le peuple n'a pas l'eau. Oh, le peuple n'a pas l'électricité. Oh, le peuple n'a pas les soins. Oh, le peuple n'a pas ci. Le peuple n'a pas ça. Ce que nous tous, on sait déjà. Mais ça fait plaisir au peuple de venir s'asseoir tous les jours et écouter encore s'apitoyer sur son sort. Encore et encore. Ça leur donne l'illusion qu'ils sont en train de faire quelque chose. Parce que les Camerounais, ils aiment parler. C'est des littéraires. Tout le monde allait à l'école là-bas, les longs crayons. Donc, ils aiment venir pomper ce que nous, on raconte sur Internet. Après, ça, c'est au quartier. Chacun veut montrer à l'autre que non, ils maîtrisent trop la géopolitique. Ils bavardent. Oh, le Cameroun comme ça. Oh, le CFA est comme ci. Oh, l'électricité. Oh, les accords coloniaux. Oh, le président Paul Biya fait ceci. Oh, Afrimédia. Oh, ceci. Oh, Macron. Oh. Mais à la fin de la journée, c'est quoi? Du vent. Parce qu'à la fin de la journée, chacun à son poste va demander le choco. Chacun va se faire corrompre à son poste. Et chacun va corrompre quelqu'un pour avoir un service. Donc tout ça, c'est le vent. Et après, quand Popol va passer en voiture, ils vont sortir, crier, Paul Biya, ayop, ayop. Ils veulent voir leurs enfants grandir. Donc nous, on a compris ça. On vous regarde maintenant, on ne gère plus vos conneries. C'est pour ça que vous ne me voyez plus parler dans l'histoire politique. Là-bas, ça ne sert à rien, frère. Tout ce qu'il y avait à dire, je l'ai dit. Je ne vais pas passer ma vie à bavarder. Tout ce qu'il y avait à dire, je l'ai dit. Et tout le monde sait quelle heure il est. Maintenant, les premiers concernés ne sont pas prêts à se salir. Ne sont pas prêts à se priver, à se sacrifier. Pourquoi moi, je vais aller mourir pour eux? Pourquoi moi, je vais aller mourir pour eux? Franchement. Donc, moi, je ne peux pas en vouloir à ces gens-là. Mais ce qui m'énerve avec lui, c'est la manipulation du peuple. Pourquoi je ne m'attaque pas aux autres? Parce qu'au moins, lui manque dans ce qu'il fait. Au moins, il y a des enfants qui sont retrouvés. Il y a parfois des affaires qui sont résolues. Il y a du bon. Celui-ci, il n'y a rien de bon. C'est tout pour lui. Et il a encore le culot et l'ego de venir piétiner l'investissement de quelqu'un, l'investissement que quelqu'un a mis sur lui. C'est-à-dire lui organiser une tournée. Le summum. D'accord? Voilà ce qu'il vous dit. Que Allah, ses conseils, c'est plus le bien commun. Mais après, il vous dit que ce n'est pas important le conseil. Ce qui est important, c'est parler des taux fils parce que les taux fils s'attaquent au bien commun. Et tout fils qui est seulement sur le football. Le football que eux-mêmes, leur bande là, avec les Karine Réchaud, ils ont dit que le football ne peut pas changer un pays. Mais tous les jours, ils sont là, ils parlent de l'Africa Foot.
Tous les jours, ils sont sous l'Afrique à foot. Ils ont oublié qu'il n'y a plus les routes. Ils ont oublié qu'il n'y a pas les hôpitaux. Ils ont oublié qu'il n'y a pas l'électricité. Ils ont oublié qu'il y a les prisonniers politiques en prison. Ils ont oublié Amugubelinga, car Amugubelinga a les avantages en prison. Ils ont oublié tout ça parce que Eto fils donne les vues. Ben, c'est tous devenus des journalistes sur la toile. Si chacun cherche son argent, ils viennent vous faire croire qu'ils se battent pour le Cameroun. Quel Cameroun? Quel Cameroun? Qui aime Kamto plus que le Cameroun. Abandonné à lui-même, pourquoi? Donc il est en train de dénoncer le fait que la base, le MSC, aime Kamto plus que le Cameroun. Pour le pays, parce que vous êtes des populations. Parce que vous êtes des populations. Si Samuel Eto'o avait dit qu'il va venir au concert de la Madeleine. Si Samuel... Non, la vérité, c'est que c'est parce que tu t'es rendu compte qu'ils aiment Kamto plus que toi. Pareil avec Eto'o fils. Tu étais avec Eto'o fils, tu mangeais son argent. Il n'était pas une gangrène pour le pays à ce moment-là. Quand tu t'es rendu compte que les Camerounais aimaient Eto'o fils plus que toi, c'est devenu un problème. Simple. Simple. Samuel Eto'o dit là que je vais venir au concert de la Madeleine le 6 juin à Bruxelles. Vous allez venir parce que Samuel Eto'o est là. Vous n'allez pas venir parce que nous sommes en train de mettre le Cameroun sur le... On like, on partage. Non, vous allez venir parce que l'homme que vous aimez... On like, on partage, on envoie les cœurs. Voilà. S'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez venir parce que l'homme que vous aimez plus que le Cameroun sera à cet endroit-là. Quand on dit que Vassero fait un concert au Zénith de Paris, on dit c'est plein. Pourquoi ils sont venus pleins? Ils sont venus pleins parce que Kamto était là. Donc, il y a des gens qui enfin, aiment la vérité. Plus que le Cameroun. Et plus que toi, surtout. Donc, lorsque vous mettez les hommes au-dessus, bah, vous venez parce que ces gens-là sont là. À chaque fois que vous mettez les hommes au-dessus du pays, bah, le pays se retrouve abandonné. Dans le pays, c'est toi. Nous, on était avec le pays. Mais vous, vous n'êtes pas pour le pays. Vous entendez? Dans le pays, c'est lui. Aïe! Maman! Valsero, je te donne les mains en termes de manipulation. Je te donne les mains. Dans le pays, c'est lui. Comprenez bien. Le pays, c'est lui. Ça dit, waouh! Là, on est dans une crise de mégalomanie totale. Ça dit, c'est un truc de ouf. On doit t'interner dans ta clinique. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Parce que moi, je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Hein, donc, je découvre certaines parties là avec vous. Donc, il est en train de nous dire que le pays, c'est lui. Parce que là, il a sorti le drapeau qu'ils étaient avec le pays. Mais vous... Bon, si le pays, c'est toi, pourquoi toi-même, tu as délaissé ton conseil pour parler de ton fils? C'est-à-dire, vous voyez la bipolarité? Moi, je suis choquée. Hein? Je suis choquée. C'est un malade. Pourquoi ils sont venus pleins? Ils sont venus pleins parce que Kamto était là. Écoutez, il y a des gens qui aiment Kamto plus que le Cameroun. Donc, lorsque vous mettez les hommes au-dessus, bah vous venez parce que ces gens-là sont là. Chaque fois que vous mettez les hommes au-dessus du pays, bah le pays se retrouve abandonné. Là, par exemple, nous, on était avec le pays, mais vous n'êtes pas pour le pays. Si vous étiez pour le pays, ce serait plein. Si vous aviez un amour de citoyen pour le pays, si vous étiez un peuple, pas des populations, ce serait plein. C'est pour ça que le travail qu'on fait pour pouvoir faire... Donc, si on aime le pays, on doit remplir tes conseils. Je vous rappelle le titre de sa tournée. Hein? Ok? Qui connaît le titre de sa tournée? Vous-même écrivez ça là en commentaire. Parce que ses fans sont déjà là en train de pleurer dans mon live. Si vous connaissez le titre de sa tournée, écrivez en commentaire. Vous-même, vous allez comprendre. Parce qu'il dit que lui, sa tournée, c'est le pays. Alors, son conseil, c'est être pour le pays. Quelqu'un peut me rappeler le nom de sa tournée? Où sont ses fans? Vous ne connaissez même pas le nom de sa tournée. Même moi, je connais mieux que vous. Mawatro, vous ne connaissez pas le nom de sa tournée? Vous ne connaissez pas? Pardon, allez tricher, vous revenez. Allez vous tricher sur sa page, vous revenez. Tchaï, ça fait pitié de... Vous ne connaissez pas? Pardon, envoyez mes étoiles. Hein? Voilà, vous partez là-bas, vous partagez, vous likez, vous faites beaucoup. Moi, envoyez-moi mes étoiles. Moi, je n'ai pas le nombre de vues qu'il a.
Mettez-moi mes étoiles, c'est ça qu'il s'agit. Le décryptage, c'est un décryptage scientifiquement scientifique. C'est trop fort. C'est trop fort. Vous ne connaissez pas le nom de Saturne. Je crois que c'est mon idée de la France. Là, il vous a sorti le drapeau camerounais. Pourtant, sur Saturne, c'est le drapeau, sur son affiche, c'est le drapeau français. Balcero. Prends-nous au sérieux, père. Prends-nous au sérieux. Que quelqu'un aille guetter un peu. Je ne peux pas sortir de la page. Je vais perdre le film de la vidéo. Ce n'est pas fini. Que quelqu'un aille guetter. Tous mes téléphones sont occupés là. Je ne peux pas aller vérifier. Allez vérifier. Vous me donnez exactement le nom de Saturne. C'est quoi le nom de la tournée? Je crois que c'est mon idée de la France. Un truc comme ça, là. En tout cas, ça concerne la France. Le nom de sa tournée. Avec le drapeau français sur l'affiche. Il n'y a pas le drapeau camerounais dessus. Donc, de quoi parle l'auteur? Là, il vous sort le drapeau camerounais. Que nous, on était là, nous, on était avec le pays. Vous, vous n'êtes pas pour le pays. Parce que vous n'êtes pas venu à mon concert, vous n'êtes pas pour le pays. Quand vous venez à mes concerts, c'est quand il y a les stars comme Kanto. Parce que vous aimez les hommes plus que le pays. C'est moi le pays. Mais, Longa Longa est aussi engagé que toi. Sinon plus, Longa Longa a fait la prison. Longa Longa s'est fait arracher son passeport. Il s'est fait tabasser. Il est sorti, il n'a pas fui le pays. Depuis qu'il est sorti de prison, il a voyagé, il est tout retourné au Cameroun et il continue de parler quand il a envie de parler, étant au Cameroun. Longa Longa remplit ses salles. De quoi on parle? De quoi on parle? Moi non plus, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Depuis là, tu bavardes, tu pleures sur ma page, c'est ton problème. Tu ne connais même pas le titre de la tournée de ton artiste, d'après toi. Je sais que tu ne connais même pas les paroles de ces chansons. Donc, tu n'es que la preuve vivante de ce que je dis. Donc, ce que tu penses, c'est ton petit problème. Je sais que tu es au pays. Voilà une des raisons aussi pour lesquelles, mon frère, tu as 800 000 abonnés, mais ça ne peut rien produire. Parce que la majorité des gens qui te suivent sont les gens du pays. Les gens qui peuvent facilement se laisser manipuler. Nous, ici, en Benzema, tu ne peux pas. Ah, c'est les gens du pays qui connaissent un peu ton répertoire. Nous, ici, pas vraiment. Deux, c'est eux qui sont manipulables. C'est à eux que tu t'adresses quand tu fais tes podcasts. C'est à eux que tu t'adresses. Or, eux, ils ne vivent pas en Europe. Ils ne peuvent pas venir à tes concerts. Ils ne peuvent pas venir à tes concerts. Donc, erreur stratégique à tous les niveaux. Tu devais redoubler d'efforts. Te concentrer sur ton art ici. Et essayer de viser le public d'ici que tu veux à tes concerts. Parce que les Camerounais ne vont pas payer le billet d'avion pour venir à tes concerts. Le peu de gens qui te suivaient ici, ils sont beaucoup plus lucides que ceux qui sont au pays. Donc, au fil du temps, ils ont vu clair dans ton jeu. Déjà que ceux qui sont ici qui te suivaient à cause du changement, à cause de Kamto. Donc une fois que tu as déposé Kamto, ils t'ont aussi déposé. Tout ce qui te reste, ce sont les gens du pays. Et tu as encore commis une erreur, tu es encore parti t'attaquer à Etofis après avoir mangé son argent. Oh, Etofis règne au Cameroun. Tu vois? Ça ne pouvait rien donner de bon. De vous, mais pour un peuple est un travail qui nous prend beaucoup d'énergie et ça ne peut pas souffrir de compromission. Pour être un peuple, il faut l'une des choses qui construit un peuple, c'est la lutte pour l'intérêt collectif. Ensemble, ensemble, l'un des mécanismes qui construit un peuple, c'est lorsqu'ensemble il a la lutte pour l'intérêt collectif. Lorsque chaque entité forte commence à abandonner l'intérêt collectif pour l'intérêt collectif pour l'intérêt personnel et individuel, oui, tu peux fermer ta bouche sur les manquements parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est tu peux fermer ta bouche si les hôpitaux ne fonctionnent pas, c'est pas trop ton problème. Tu peux fermer ta bouche si jamais quelqu'un
Ils se servent des oripeaux de la Fédération Camerounaise de football pour bloquer, j'ai vu encore l'histoire, pour demander à la Fédération Française d'annuler le contrat d'un petit qui essaye d'avoir un contrat à Marseille. Non, les enfants, à un moment, vous pouvez savoir, je vis trop bien, je ne suis pas la priorité de ma vie. Je ne suis pas la priorité de ma vie. Le Cameroun est la priorité de ma vie. Le Cameroun est la priorité de ta vie et tu es sorti du Cameroun pour venir dire ça ici. Quand tu as décidé de monter dans l'avion pour venir ici en Beng, c'était pour qui? C'était pour le Cameroun ou c'était pour toi? C'était pour le Cameroun? Là où tu es en train d'échanger ta nationalité, là, c'est pour le Cameroun. Ouais, le type, c'est incroyable. Je ne suis pas la priorité de ma vie. Je ne fais pas des choses pour me faire plaisir. Je ne fais pas des choses si je dois souffrir. Et je le dis, je ne sais pas si... Oh, le martyr. Si je dois souffrir pour ce que j'estime être ma raison de vivre. Oh là là. Au Cameroun. Oh. Oh. Pourtant, tu viens de faire un album pour la France. Oh. Le Cameroun, ta raison de vivre. Mais une fois que tu arrives en Beng, tu fais un concert, tu fais un album sur la France. Waouh. En plus, tu vis même pas en France, frère. Tu vis en Italie. Tu arrives en Europe, en Italie, et tu fais un album sur la France. Je te donne les mains, père. Tu as fini avec la manipulation. Moi, je ne pourrais pas faire un live vite fait comme ça. Et bro, je dois prendre ses propres mots. Je vous décortique ça. Je vous donne ces mots. Je ne transforme rien. Je ne transforme rien. Parce que je fais un live en l'air comme ça. Vous allez dire, oh, c'est la haine. Elle est jalouse. Je dois être jalouse d'un poteau. Je dois être jalouse d'une sale vidéo. Je ne sais pas. Vous disiez d'abord que j'étais jalouse de son zénith. Depuis le zénith, il n'a fait que taper les poteaux. Je suis toujours jalouse. Bon, supposons que j'étais jalouse de son zénith. Maintenant, j'ai chanté dans une salle de 3000 personnes. Donc, j'ai dépassé son zénith. J'ai dépassé son zénith. Vous allez encore utiliser quoi maintenant pour dire que je suis jalouse? Vous avez dit que Evelyn Yass, j'ai 53 cm, ça me comble. Si vous voyez ce que je veux dire, je suis comblée. Ne sont pas plus importants que ce que je fais là. Et si pour les conseils, je dois faire un compromis avec le chétan. Parce que quand j'entends les gens dire, ouais, au lieu de faire la promotion de ton concert, tu as passé ton temps à parler de Samuel et tout. Mais parce que parler de Samuel et tout est plus important que ça. Mon concert ne menace pas l'intérêt collectif. Mais Samuel et tout, il menace l'intérêt collectif. Il menace l'intérêt collectif, il menace la paix sociale. Il a créé une secte à l'intérieur du pays où il diffuse la haine en permanence. Le jour où vous allez réussir à mettre le pays... Tous ces mots me prouvent qu'il a en train... C'est un sardinard, c'est toujours un sardinard. C'est toujours un sardinard. Parce que là, maintenant, Paul Biya n'est plus son problème. C'est Samuel Eto'o son problème. Donc, Popol qui est là-bas à la tête, que nous tous on voulait que le changement, Popol n'est plus un problème. Samuel Eto'o n'a pas dit qu'il allait se présenter pour être président. Hein. Samuel Eto'o n'a pas de parti politique. Vous dites qu'il a créé une secte. Il a créé une secte en faisant quoi? Il n'a pas créé une secte. C'est son aura qui fait le travail. Moi, je suis pas, j'ai hâte de laver ton fils combien de fois ici. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient, frère. Et Samuel Eto'o travaille. Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Parlons peu, parlons vrai. Tu as travaillé quoi pour le Cameroun? Quoi? Toi-même, tu nous as raconté que quand tu as eu ton diplôme, ton père t'a amené t'aligner chez ton oncle ministre. C'est parce qu'ils t'ont refusé le travail que tu t'es retourné contre eux. Ils ont refusé de te mettre à la mangeoire. Voilà pourquoi tu te retournes contre eux. Et à la moindre occasion, ils te font manger pour faire le travail que tu es en train de faire actuellement. Décrédibiliser Eto'o. Eto'o a le droit d'aspirer à la magistrature suprême comme tout Camerounais. Quoi le problème? Laisse-nous choisir. Mon frère, donc, subitement, Popol n'est plus un problème. C'est ton fils qui est devenu un problème aujourd'hui.
Il ne voit pas Franck qu'on est en train de préparer là. Non, il ne parle pas de Franck. Non, 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 non. Vous-même, faites-vous votre propre analyse avec le peu que je suis en train de dire là. Il ne voit pas Franck qu'on est en train de préparer. C'est Eto'o fils que lui voit. C'est lui qui n'a pas dit que lui veut. Eto'o n'a jamais dit qu'il veut être président. Il ne s'est pas présenté. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un écrire une lettre pour dire que je ne compte pas me présenter pour être président. Maman, il vous fait peur, hein? De toute façon, il vous fait peur, là. C'est maintenant que moi, je me dis que s'il se présente, là, moi, il le vote même. Oh, ah. Parce que la façon qu'il vous fait peur à vous tous, là, c'est qu'il y a quelque chose qui est bon là-bas. Oui? Et toi, c'est un RDPiste, non? Pourquoi ça vous fait peur qu'il prenne le contrôle? C'est toujours entre vous, non? Pourquoi ce sont les RDPistes qui font écrire ce genre de lettres à Eto'o? Pourtant, c'est leur frère. Normalement, ça ne devrait pas déranger. Ou bien, ça reste là-bas entre eux. Mais ça dérange. Eto'o dérange l'opposition. Eto'o dérange son propre parti. Je ne sais pas s'il fait partie du RDPC, mais il est sympathisant, en tout cas, RDPC. Dites-moi. Supérieur que les hommes. Alors, le pays aura toute votre attention. On like ici, s'il vous plaît. Si je dis là maintenant que, oh, demain là, yo, André Onana, il va venir au conseil de la Madeleine le 6 juin. Ce sera plein. Vous ne serez pas là pour venir écouter. Pour venir écouter, pour venir construire. Non, vous serez là pour venir voir André Onana, ou bien Samuel Eto'o, ou bien machin, parce que ces hommes sont plus importants pour vous que le pays. Ils sont également plus importants pour toi que ton conseil qui était censé donc nous ouvrir l'esprit. Je t'explique. Si l'ennemi est en train de se préparer pour finir avec ma famille, est-ce que je vais passer ma journée à parler de l'ennemi ou je vais préparer mes forteresses et me concentrer sur ça? Donc, toi aussi, ils sont plus importants pour toi que ton propre conseil. Tu veux que nous, on prenne ton conseil en considération. Ça, c'est ce que tu dis au début de ton allocution. Tu nous dis toi-même que ton conseil n'est pas plus important que parler des taux. Parler des taux est plus important que ton conseil. Maintenant, tu nous dis que ton conseil devait être plus important pour nous que Eto'o fils. Pourtant, c'est toi qui donnes de la valeur à Eto'o fils plus que à ton conseil. Si tu pensais que ton conseil devait ouvrir l'esprit des Camerounais, alors tu allais te concentrer à la promotion de ce putain de concert pour que les gens viennent s'ouvrir l'esprit. Je sais pas moi, est-ce que ce que je dis fait du sens pour quelqu'un dans la salle? Si ça a du sens, envoyez-moi les cadeaux. En vrai, j'ai trop de travail pour vous aujourd'hui. I'm tired. Ça fait des années que moi, mais vous parlez que le tipsy. Le tipsy, oh. Là, vous mettez toute votre énergie, votre cœur, là. Qu'est-ce que moi, lui reprochais d'endormir le peuple? Avec les fouets, les fausses formules, l'infantilisation. Lui, là, il est là pour vous empêcher d'ouvrir vos yeux. Il est là pour lui, pour le culte de la personne. Et puis, il ramasse ses dos là où il peut ramasser au passage. Dites-moi. Moi. Il y a le diable qui est en train d'arriver. J'ai la Bible. Au lieu de faire la promotion de la Bible, ça, il parle dans votre chose des chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétienne, mais je prends l'exemple qui va vous parler. Au lieu de prêcher fort la Bible pour que mes enfants soient prêts à affronter le diable, je vais déposer la Bible pour commencer à leur parler que non, le diable est monté, le diable est descendu, le diable est comme ça, le diable est comme... Je sais que le bandit va venir chez moi. Au lieu d'apprendre à mes enfants comment se défendre quand le bandit va entrer, je suis à l'aide que le bandit va entrer, c'est un bandit. Je vous dis que c'est un bandit. Il est comme ci, il est comme ça. Non. J'ai rien à foutre que mes enfants me croient que tel est bandit ou tel n'est pas bandit. Je prépare mes enfants à se défendre contre n'importe quel bandit. Quand le bandit va arriver, ils seront bien obligés de l'affronter. Et là, ils seront prêts parce que j'aurai passé mon temps à les préparer. Pas à leur parler du bandit, pas à les effrayer. Ce que je dis a du sens. Donc tu ne dis rien, le père. Tu es en train de nous embrouiller pour justifier ton échec. Tu es un feignant, c'est tout.
Parce que ce qu'on porte pendant ces concerts-là, c'est les souffrances de notre peuple. Et là, on a créé la tournée par amour. Parce qu'on s'est rendu compte que... Le nom de la tournée, c'est pas par amour. Ça, c'est le titre de la chanson. De parler de rancœur. Vous voyez la manipulation? Ça, c'est le titre de la chanson. Ce n'est pas... C'est le titre de son duo avec Maman Annie Anzoué. C'est le titre d'un featuring. Ce n'est pas le nom de la tournée. La tournée, c'est mon idée de la France. Attendez. Ce qui n'est pas long. Il a mis par amour le spectacle. Mais le nom de la tournée, ce n'est pas ça. Le nom de la tournée en est donc la tournée de tous les concerts. C'est pas par amour. C'est mon idée de la France. Mais comme là, tu es en train de partir à Bruxelles, tu ne peux pas mettre mon idée de la France sur l'affiche. Donc, tu mets par amour. Clair et net. Et tu as embobiné les Camerounais. Parce que le vocabulaire que vous utilisez construit l'environnement dans lequel vous vivez. Si c'est un vocabulaire constitué de mots violents, des mots de rage, des mots de force, alors c'est un vocabulaire qu'il faut bannir. L'amour existe. L'amour existe et sa force traverse les portes fermées. Son pouvoir est si grand qu'il inonde les cœurs asséchés. Il donne sans permission, s'installe, te transforme. Même le pire des meurtriers devant l'amour voit sa rage fondre. L'amour est fort, il déplace des montagnes. Il pardonne toutes les fautes, même celles que personne ne pardonne. Il peut te rendre sourd, aveugle et muet. Il peut te faire perdre la tête, te rendre bête, te pousser à tuer. C'est le pouvoir de l'amour, the power of love. The power of love. Et lorsque vous êtes calibré sur la rectitude. C'est qui la France, hein? C'est ça le titre, hein? Merci, Kaza. Nous avons passé un bon moment à l'espace Julien Marseille. Et je vous promets que le moment que nous passerons le 6 juillet, dans quelques semaines, 2-3 semaines, à la Madeleine de Bruxelles, ce sera encore un moment de... Maintenant, il fait la pub, hein? Il a mis son affiche du 6 juillet. Maintenant, tu fais la pub, hein? Tu n'as encore rien vu. En espérant me voir mourir. Arrêtez de vous empoisonner en espérant me voir mourir. Je te répète ça calmement. La haine est un poison que l'on boit en espérant voir mourir l'autre. Arrêtez de vous empoisonner en espérant me voir mourir. Donc, c'est toi qu'on déteste. Ouais, le pauvre. Arrêtez de vous empoisonner en espérant me voir mourir. Le pauvre. Parce que je vais mourir de toutes les manières. Mais quoi ça vous fait de mourir avec moi? Vivez, soyez heureux. Oh. Donnez un sens, un but à vos vies. Oh là là. Un but à vos vies. Vous êtes trop mignon. Pour le pays, mettez en lumière l'intérêt collectif. Si on ne se lève pas pour l'intérêt collectif, nous ne construirons pas le pays dont nous avons besoin. Toi, tu es venu construire ça dehors. Hein? Toi, tu es venu construire le pays à l'extérieur du pays en épousant une blanche à l'extérieur du pays. Ouais, faut nous prendre au sérieux, hein. Faut nous prendre au sérieux, hein, père. En pleine, parce que nous ne sommes pas encore un peuple, nous sommes des populations. Et c'est un processus. C'est un processus. C'est important de le suivre, de le comprendre. Et de subir les conséquences qui vont avec. Bien sûr. Et de subir les conséquences qui vont avec les enfants. Mmh, les enfants. Tout le reste, c'est des détails. C'était le tout premier podcast de la journée, les enfants en direct de la clinique. On va continuer de dire les choses comme elles sont. Le 6 juillet, on mettra le lien en bas. On va prendre encore peut-être un ou deux biens aujourd'hui. Le 6 juillet, à la Madeleine de Bruxelles, on va encore déferler de l'amour. Et un maximum d'amour. Parce que pour nous, si la haine c'est le poison, l'antidote c'est l'amour. Si la haine c'est le poison, l'antidote c'est l'amour. Si la haine c'est le poison, l'antidote c'est l'amour. Love you, my people. C'était papa. Floco, man. Mais là, tu fais la pub, hein? Ouais, maintenant, il fait la pub. Il a mis l'affiche. Le gars est traumatisé. Au lieu de reconnaître, il veut venir jouer les Donman. Il veut venir raconter les pets aux gens. Ne fais pas ta promo. Qui va faire ça pour toi?
L'égocentrisme. Il avait dit qu'il a donné la visibilité à qui, là, quel footballeur, là. Je n'ai pas suivi l'histoire, là. C'est maintenant que ça sort. Que moi, je vois, en tout cas. Où les gens disent que oui, il avait dit qu'il donne la visibilité, ou c'est à qui, là. Que lui-même, la visibilité, elle est partie, alors. Maman, d'abord, tu dis pas la vérité. Vous n'étiez pas 175. Vous n'étiez même pas 50 dans cette salle. Même pas 50, frère. Même pas 50. Tu fais un concert dans une salle de 700 personnes, il n'y a même pas 50 personnes. Et tu as 800 000 abonnés, frère. Tu as 800 000 putains d'abonnés. Et tu es en train de nous expliquer que pour déplacer tes propres abonnés, il faut une autre star. C'est pas mieux que tu abandonnes la musique. C'est pas vrai que tu abandonnes la musique, paix. Tu es un bon blogueur, reste dedans. Voilà, reste dedans. Tu as les mots, voilà, tu arrives à générer des j'aime, des vues. Reste là, laisse la musique, paix. Arrête de faire dépenser l'argent aux promoteurs. Et la baronne, garçon, fille, Jean-Paul de Suisse. Tu as attendu, hein? Tu vas sauf que décrypter. Tu vas dire à ton type là qu'il a fuck up. Tu vas expliquer. Comme tu es sabitou, vous deux, vous êtes les sabitou. Vous maîtrisez tout. Dans tous les domaines, vous avez beaucoup les conseils à donner aux gens. Maintenant que c'est votre tour, vous voulez voiler la face, vous voulez embrouiller les gens. Moi qui suis une débutante, tu ne m'as pas loupé ici. Viens donc décortiquer la présence scénique de ton champion. Parce que moi, je l'ai vu sur scène. Ça faisait pitié. Hein? Même la tenue d'abord, ça faisait pitié, sa mère. Tu es chanté pour la France, tu portes le maillot camerounais. Tu joues à quoi, en fait? Faut savoir. Ça dit, vous avez... Je ne comprends pas d'abord pour comment quelqu'un qui ne vit pas en France fait un album pour la France. Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Tu surfes sur le Cameroun, sur la misère du Cameroun, mais tu veux t'implanter en France. Alors, tu fais un album sur la France où tu lèches, tu suces. Mais le peuple français, on ne les plaint pas comme ça. Il faut faire tes preuves. Ils vont laisser les boobas, tous les autres là, où pour venir finir, pour venir te chercher. Paix. Où? Où? Mia, tu fais tes lives ici, là. Tu fais tes concerts ici, sur Internet, comme nous, là. Tu commandes tes petites étoiles ici, là. Tu vas bailler tes filons avec. Tu vas bailler ton jonc avec. Et puis, c'est bon, frère. Arrête de venir perturber le cerveau de nos jeunes frères et sœurs, de leur détourner, c'est-à-dire d'attaquer leur psychisme, en fait. Faut arrêter ça. D'abrutir la population. Nous sommes des populations, ouais, mais on préfère des populations avec quelque chose dans le crâne, en fait. Toi, tu veux abrutir la population, en plus. Les enfants ne sont pas tes enfants. Ce sont des adultes qui te regardent. C'est les adultes qui peuvent aller voter, frère. Ce ne sont pas des enfants. On est majeur quand on a 21 ans. C'est à ceux qui peuvent voter que tu t'adresses, rassure-moi. Et ceux qui peuvent voter, ils ne sont pas tes enfants, frère. Ça, c'est de la manipulation. Likez ici, s'il vous plaît. Vous cliquez sur les trois points et vous likez. Donc, ça va 2 minutes, quoi. Si vous avez mes étoiles, vous envoyez. Moi, je vais couper le live. Je ne voulais pas que ce soit trop long. Les pages sont hyper restreintes, malheureusement. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci pour mes étoiles et tout. Non, je ne suis pas musulmane, non. Non. Can I get a like here? Vous cliquez là sur les trois points. Et vous likez. Voilà, ça fait 1h20 sur Facebook, sur YouTube plutôt. Donc, je crois que je dois être à 1h30 ou 1h40 maximum sur Facebook. Je vais m'arrêter là.
pour que le max de personnes puissent regarder jusqu'à la fin. Parce que bon, le nombre de personnes connectées, c'est même pas si important. Plus important, c'est ceux qui vont regarder après. Donc, n'hésitez pas à partager massivement ce live. Partagez-le aux personnes qui ont besoin qu'on leur lave, qu'on leur mette le cerveau en place. Les personnes à qui papa a lavé le cerveau. Les personnes qui sont toujours dans sa salle d'attente bondée. Père, mieux tu fais tes lives dans ta clinique. Comment j'ai fait mes lives dans ma... Tu fais tes shows, tes concerts dans ta clinique. Comment j'ai fait mes shows ici dans ma chambrette. Artiste TikTok, Facebook et assumé. J'assume. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Partagez un max aux personnes qui l'ont embobiné, en fait. Vous avez chacun quelqu'un à côté de vous qui est complètement omnibulé, qui a perdu la faculté de penser par lui-même. Partagez-leur ce live. C'est très important. On n'a fait que décrypter ses propres dires, les retranscrire, les traduire en français facile pour tout le monde. Chacun pourra se faire sa propre idée. Je n'ai pas la science infuse. Chacun se fera sa propre idée. Moi, la mienne, elle est faite depuis très longtemps. Donc, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Personne ne me convaincra. Voilà, j'ai dit ma part. Et chacun en fera ce qu'il voudra. Je vous donne rendez-vous ce samedi 22 juin à partir de 21h pour mon mini-concert semi-live sur Facebook, YouTube, TikTok. Et à minuit, on va souffler sur mes bougies. Puisque mon anniversaire, c'est le 23 juin. Laissez les critiques à deux balles et mettez-vous ensemble pour élever le 237. Quand vous allez vous mettre ensemble, vous-même d'abord là-bas dans votre pays où vous habitez, là, on va voir si on va venir se mettre ensemble avec vous. OK? Go, mettez-vous ensemble pour le 237. C'est ici que tu écris ça. Va lui écrire ça là-bas. Il a dit qu'il est seul maintenant, non? Parce que les gens préfèrent comme toi, lui. C'est ce qu'il a dit. Donc, allez lui dire ça là-bas. Même dans une famille, les frères et sœurs n'ont pas la même idée. Pourquoi vous voulez que nous, on le fasse? Vous-même, d'abord, changez-vous. Que chacun se change individuellement. Après, on va se mettre ensemble automatiquement. Ça va se faire tout seul. Changez d'abord vous-même. Vous passez votre temps à venir nous insulter ici, là, sur nos commentaires. Vous voulez faire la leçon. Faites la leçon à qui? Changez d'abord vos cœurs, vous-même. D'accord? Si chacun change son cœur de son côté, là, on ne pourra avoir que de bonnes actions qui réunies vont faire quelque chose de bon. Tu vois comment? Donc voilà. C'est cœur et mai. En tout cas, vous pouvez toujours envoyer les étoiles après la diffusion du live. Et je crois que vous, sur YouTube, vous pouvez envoyer les super thanks après la diffusion du live. Je pense. Hein. Voilà. Vous ici, vous pouvez toujours envoyer les étoiles après la diffusion du live. Donc voilà, il y a mon arbre à lien qui est là. Cliquez dessus. Vous avez mon arbre à lien, vous, dans la description. C'est le tout premier lien. Vous cliquez dessus et ça vous permet de vous abonner à toutes mes pages, toute ma présence sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de téléchargement légal. Vous avez accès à mon PayPal, vous avez accès à ma cagnotte, puisque mon album est prêt maintenant. Donc là, on continue avec la cagnotte pour avoir les moyens pour de la promotion. Toi qui non, moi je ne reconnais pas moi cette vidéo. Toi qui? Je te connais pas, maman. Donc voilà, l'arbre à lien est là. N'hésitez pas à cliquer, à vous balader dessus. Vous abonner, Snapchat, TikTok, YouTube, les deux YouTube. Notre web série également est là. Vous qui êtes sur YouTube, vous allez dans les playlists. Vous tapez, vous cherchez la playlist Amer et Oshi. Vous allez tomber sur ma web-série avec mon chéri. J'ai vu qu'il y a une là que ma relation intéressait beaucoup. Donc, je te conseille d'aller regarder. Hein, tu pourras aller critiquer là-bas, insulter comme tu veux, te défouler de ta solitude, de ton aigreur. C'est fait aussi pour ça. On est là pour ça. Donc, voilà. La playlist sur YouTube, ma chaîne Les Tolis de Oshi. C'est là où je fais les lives. C'est là où je poste ma web-série. Sinon, ma chaîne Oshiga Music, avec C à la fin, c'est la chaîne où il y a mes clips. D'accord? Donc, je vous attends, nombreux, ce samedi, à 21h. Bisous!